nous avoir accordé la matinée pour Olego Business. On va présenter l'offre cloud. Vos données en ligne. If Intel, gérez votre flotte de terminaux mobiles. Olego Backup, sauvegardez vos données archivées dans un espace sécurisé. Olego Web, créez et personnalisez votre site web en toute simplicité. McAfee, protégez vos terminaux contre les attaques externes. IM Blue, concevez et gérez vos campagnes de communication professionnelle par courrier électronique. Office 365, renforcez votre productivité grâce à la suite Office. Inscrivez-vous sur windowcloud.tr et profitez d'un premier mois d'essai gratuit. Après la vidéo, je vais vous embarquer sur le site. Donc j'espère que vous avez retenu l'adresse. C'est windowcloud.tr. Donc c'est un site web, comme avait dit Mounir, c'est un site web convivial, comme vous voyez, dans lequel donc, il y a les 8 applications autour des 4 thèmes qui améliorent votre productivité, réduisent vos coûts parce que, et surtout maîtrisent votre budget, parce que déjà en début d'année, vous connaissez le nombre de licences que vous allez acheter, vous n'avez pas de support ou de maintenance, vous n'avez pas à vous soucier de ces coûts, qui sont au début d'année, qui ne sont pas mesurables. Là, aujourd'hui, on vous offre des solutions clés en main. Donc notre site, il est composé de 4 rubriques. Donc il y a les avantages, donc la confiance, le contrôle, la confidentialité et surtout notre axe de communication, d'expérience client. Puis, il y a les solutions, donc vous allez voir les solutions. Donc il y a les 8 solutions. C'est juste un petit schéma, peut-être comme l'évolution de l'informatique. كيفاش كان من الاول كل 30 40 عام تصير حاجه من بعد كل 10 سنين من بعد كل عامين تو انا غير على انفورماتيك 3 شهور ساي je vous invite à réfléchir كل sur l'importance aujourd'hui de prendre ce virage technologique il faut savoir que sur le monde du cloud là il y a des éléments externes qui poussent à la prise de décision. Mais comme vous êtes tous dans le monde du management, vous savez qu'il y a la fameuse courbe push du conduit de changement. Et il vaut mieux être dans l'anticipation plutôt que dans la réaction. 3 exemples qui, dans le monde, des années 90, 2000 et 2010. Olido, comme vous le savez, est un opérateur global. On a commencé en 2002 en téléphonie mobile. Aujourd'hui, nous sommes numéro 1 sur la téléphonie mobile. Ce qu'on appelle dans le jargon B2C, B2B, dans le monde grand public et dans le monde business, nous sommes numéro 1 en téléphonie mobile, nous sommes numéro 1 en téléphonie mobile, en mobile data, et nous sommes un opérateur qui a démarré à peu près 3 ans en téléphonie fixe et en connectivité, en data. Nous avons aujourd'hui une part de marché intéressante, respectée. Et notre objectif aujourd'hui, c'est réussir à démocratiser la partie connectivité téléphonie fixe et réussir, comme on a fait sur la partie téléphonie mobile, avec un élément majeur fondamental, il y a l'expérience client. Donc, on va dupliquer ce qu'on a fait sur la téléphonie mobile, donc avec la meilleure expérience client et les meilleures offres, les meilleurs services. Nous voulons réussir sur la partie connectivité téléphonie fixe. Sur la partie connectivité, nous avons été, depuis l'acquisition de la licence en téléphonie fixe en 2012, nous avons été le premier opérateur à déployer de la fibre optique à large échelle. Ça paraît étonner pas mal de personnes, mais c'est la vérité. Nous avons été le premier opérateur à déployer de la fibre optique à large échelle, ce qu'on appelle le FTTX. J'ai pas. Nous avons en 2013 5 zones
Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, à la région du Sahel, on a 3 zones en FTTX ou en FTTB ou en FTTH. Les 3 zones, la première, c'est la zone touristique de Monastir. Donc toute la partie hôtelière de Monastir sera couverte à presque 80%. Une dizaine de kilomètres de fibre optique en FTTX sera disponible dans les prochaines semaines. La deuxième zone, c'est la zone industrielle de Sousse, Sylla-Atlantide. Kif-Kif, à peu près 180 à 200 prises éligibles dès février 2016. Et la troisième zone en fibre, c'est la zone industrielle de Monastir, Sahli, à peu près 5 à 6 km et une centaine de prises éligibles dès février 2016. Avec cette couverture de fibre optique, en février 2016, on aura à peu près, que je fasse la somme, 150 km de fibre optique sur la région du Sahel.